l'oubli. Outre les heures du sommeil, dont la trêve est souvent mensonge, puisque plus d'un horrible songe vient nous y redonner l'éveil, il est des heures de magie pendant lesquelles, sans penser, on existe tout juste assez pour savourer sa léthargie. Alors le projet en chemin, d'un seul coup s'arrête et se fiche, on perd jusqu'au dernier vestige de son harcèlement humain. Dans un croupissement d'extase, gît votre personnalité, aplatie en totalité, sous l'énorme oubli qui l'écrase. Mais un coupable connaît cela. Il aspire à ces moments-là, où sur son âme noire et double, vide de remords et de mal, il flotte inerte et machinal, comme un crapaud sur de l'eau trouble.